Salam alaikum, mesdames, messieurs, bonsoir. Hamid Lelou ma'akoum, depuis la région de Washington. Donc, on est le 16 décembre 2022 et maintenant ça devient une habitude. Tous les vendredis, je viens vers vous pendant juste 10 minutes pour parler un petit peu de certains sujets. Aujourd'hui, comme le titre, comme l'indique le titre, le candidat Hirak de la Essaba. Donc, parce qu'il parle de ça, on ne sait pas encore est-ce que c'est une information confirmée ou pas, ou c'est juste une rumeur, mais c'est quand même c'est très très intéressant. Donc, je vais commenter cette information au conditionnel, à savoir si c'est vrai ou pas. Alors, ils disent qu'il faut qu'on ait un candidat du consensus, candidat du Hirak. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Sur le principe, et je pense que même du fond en large, il faut pas qu'on le fasse parce qu'on ne peut pas faire confiance à un système qui organise les élections. Ils sont très forts pour trafiquer les élections et les rendre, enfin, les faire apparaître comme des élections vraies, alors que c'est truqué et vous ne pouvez pas avoir contrôle de ces élections. En tant que candidat libre, indépendant ou bien candidat d'un parti politique, vous ne pouvez pas, et le gagnant est connu d'avance. Donc, à mon avis, participer à ce genre d'élection est un suicide politique pour le peuple algérien. Ça, c'est un. De deux, pratiquer la politique de la chaise vide. Ça n'a pas réussi non plus au peuple algérien. On le fait depuis des années et des années. Eux, ils continuent leur manège depuis des années en faisant semblant qu'ils organisent des élections alors qu'il n'en est pas du tout question de vraies élections. Donc, pas de politique de la chaise vide. Pas de non plus de participation. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, qu'est-ce qu'il faut faire? J'avais commencé à parler d'une chose, vous vous souvenez, il y a même après 2019, vers 2019, j'ai dit qu'il fallait qu'on organise le Hirak. Beaucoup de voix se sont élevées, ils ont dit non, 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 le Hirak n'a pas de leader, il ne faut pas que ça s'organise. Et puis, après le Covid, on s'est rendu compte qu'on avait besoin d'un leader. Maintenant, peut-être que moi, je ne vais même pas parler du Hirak, je vais parler du cas de l'Algérie, où on en est, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant concrètement, parce que la politique de la chaise vide ne réussit pas. Moi, j'ai proposé qu'il faut qu'il y ait des hommes et femmes politiques. Moi, dans ma tête, j'ai dit peut-être qu'il y a trois ou quatre, peut-être qu'il y a plus, je ne sais pas. C'est à ces personnes, c'est même pas au peuple. Moi, je ne demande pas au peuple de se mobiliser parce que le peuple, il faut qu'il soit mobilisé par des leaders politiques, des leaders charismatiques. Donc, si ces gens-là se reconnaissent que ce sont des vrais leaders, il faut qu'ils nous montrent, parce qu'ils parlent, beaucoup d'eux parlent à droite, à gauche, il est temps qu'ils nous montrent qu'ils sont capables de mobiliser, qu'ils sont capables d'organiser, qu'ils sont capables d'appeler au sursaut national. Qu'il le fasse, et il est temps, parce que les élections vont arriver 2024, élections truquées comme d'habitude, et ça va confirmer ce système, ce fait accompli, la politique du fait accompli, et ça, il faut que ça change. Il faut que le peuple tienne les rênes, et tienne son destin en main, et ça se fera. Grâce à l'organisation de certaines personnes. Maintenant, ces personnes-là, il y a un danger politique. Il y a un danger politique parce qu'elles doivent se dire, ah, moi, si j'appelle au sursaut national et ça marche pas, je me casse la gueule et c'est moi qui vais en prison, c'est moi qui vais aller en prison et personne ne va me soutenir. Ben, c'est ça le risque pour un homme ou une femme politique. C'est à vous de prendre le risque et de vous montrer à vous-même, de vous démontrer à vous-même que vous valez
ce que vous dites, que vous êtes un homme de consensus ou là, une femme de consensus et que vous êtes capable de mobiliser. Donc maintenant, je pense la balle n'est plus dans le camp du peuple. Il faut, on arrête de blâmer le peuple, de dire que c'est la faute du peuple. Non, il y a des leaders politiques algériens qui veulent être pris au sérieux et qui parlent à droite et à gauche. Il est temps à ces personnes-là de faire le nécessaire et de faire mobiliser les masses. Maintenant, l'idéologie, ça n'a rien à voir. Peut-être qu'il y aura un qui soit capable, un qui sera courageux, qui aura le courage politique de faire cet appel, et on verra est-ce que cette personne sera ou la serait capable de mobiliser les masses pour des actions pacifiques, bien sûr, non violentes. Deux choses importantes. La première. Alors, les gens disent, alors, est-ce que cette Boun Mzawar, il va encore être candidat? Il y a deux possibilités, à mon avis. La première possibilité, le système, il va continuer comme d'habitude, ils vont le maintenir, et il va remballer pour 5 années, peut-être pour un autre 5 années, ainsi de suite. C'est la suite. C'est la continuité, c'est le changement dans la continuité. Donc, rien ne bouge. C'est toujours la même chose. Il y a l'autre possibilité. L'autre possibilité, c'est de le faire partir. C'est de faire partir Tabboune et de dire il faut qu'on change. Pourquoi? Il le ferait pour deux raisons. Une, parce que ce n'est pas leur candidat. Il faut se rappeler que Tabboune, c'est l'homme de Gaït Salah. Gaït Salah n'est plus là. Il est mort, il a été tué, on ne sait pas. Donc, il n'arrange pas vraiment les affaires de ceux qui sont en charge en ce moment. Et en le faisant partir, ils vont faire d'une pierre deux coups. Alors, la première, ils se débarrassent de quelqu'un dont ils ne veulent plus parce que ça ne les arrange pas. Et de deux, ils vont nous dire à nous et à l'opinion internationale, vous voyez, ça c'est une vraie démocratie en Algérie, il y a l'alternance. Il n'y a plus de candidats président à vie ou la présidente qui va rester 4-5 termes. Non, au bout d'un terme, le peuple ne l'a pas voulu et il est parti. Donc il y a ces deux possibilités. Ou bien il reste et on continue comme d'habitude, ou bien ils vont le faire partir pour nous faire croire qu'il y a un réel changement, mais en fait ils veulent apporter leur propre homme ou bien peut-être femme. Un autre point dont je voulais vraiment parler, et je pense que c'est très très intéressant, et j'y ai pensé depuis pas mal de temps, c'est ce candidat consensuel de Hirak. Alors, la rumeur sort, comme d'habitude en Algérie, beaucoup est basé sur la rumeur, et je vais finir ma présentation là-dessus. Donc, qui est ou qui sera ce fameux candidat du Hirak? Qui sera ou qui serait le fameux candidat du Hirak. À mon avis, à mon humble avis, et l'avenir nous le dira, peut-être que j'aurai raison ou tort, mais ce n'est pas le but, c'est juste la question, d'échanger, de discuter, c'est pour ça que je suis là avec vous. Moi, je pense qu'ils sont en train, et ce candidat, il ne va pas réussir les élections, c'est juste le candidat choisi dans le Hirak. Et ils auront leur propre candidat, soit encore Tabboune ou quelqu'un d'autre. Mais à mon avis, le candidat Hirak auquel ils pensent, c'est Bel Mahdi. Je pense que vu comment les choses marchent, vous me direz, oh, il est fou celui-là, qu'est-ce qu'il raconte? Moi, à mon avis, ils sont en train de le modeler, de le préparer, Wazir Saada et tout le blablabla et tout le tralala. À mon avis, ils sont en train de réfléchir à la formule. Tiens, on va forcer ce candidat consensuel du Hirak, ça sera Bel Mahdi, et comme ça sera une bonne feinte. Ils vont dribbler tout le monde et ils vont repartir cool pour 5 années supplémentaires. Et l'avenir nous dira si j'ai eu raison ou pas. En tout cas, à vos commentaires, moi je lis tous les commentaires, je réponds aux questions et j'espère que vous allez le partager, cette présentation, et que aussi vous allez faire vos propres commentaires. Sinon, je vous verrai demain à Dupont Circle
centre-ville de Washington, D.C., vers les coups de 5 heures, heure d'Alger. Merci, Leila Saïda. Be safe and take care. Bye bye.